Alors, comment faire pour transformer un CD virtuel du Club Positif en CD audio avec iTunes? Donc, c'est très simple. J'ai préalablement téléchargé les fichiers zip qui sont envoyés par le Club Positif pour la livraison. Donc, tous ces fichiers-là. Et ensuite, je les ai décompressés. Et bon, je les ai déjà importés, mais je n'ai pas encore importé le cycle 5. Et donc, je vais faire le cycle 5 maintenant. Donc, je rentre dans le dossier qui contient les fichiers MP3 du cycle 5, je prends ces deux fichiers et je les donne à iTunes. Ensuite, je sélectionne ces deux fichiers et je vais créer une nouvelle liste de lecture à partir de la sélection. C'est séminaire dynamique. Mental 5. Voilà, c'est terminé. Ensuite, je vais dans mes listes de lecture. Je retrouve la liste de lecture que je viens de créer. Je vais quand même vérifier que les fichiers sont dans le bon sens, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais mettre l'intro avant le chapitre principal. Et je n'ai plus qu'à sélectionner la liste de lecture. Et ensuite, demander à iTunes de graver la liste de lecture sur un disque. Alors là, iTunes me propose plusieurs options. Je vais rester sur un CD audio, puisque c'est un CD audio qui permettra ensuite de lire ce CD à la fois sur votre lecteur de salon, mais aussi sur un portable ou dans votre voiture. Donc j'appuie sur graver, et là, iTunes me demande d'insérer un disque vierge. Donc j'ai évidemment branché mon lecteur de CD, graveur de CD, et sélectionner un disque vierge que j'insère, et là, iTunes va graver le CD. Alors, cette technique-là, je l'applique au séminaire de dynamique mentale cycle 5, mais elle est valable pour l'ensemble des CD virtuels du Club Positif, c'est-à-dire aussi bien les CD gratuits comme le séminaire Alpha, comme s'exprimer, communiquer, convaincre, etc. ou les CD comme les contes de Noël et d'autres. Pendant que iTunes grave le CD, je vais faire une petite pause et on va voir ce qui se passe à la fin. Alors voilà, la gravure du CD audio est finie. Maintenant, iTunes me présente le CD audio. Bon, ça a pris quelques minutes pour les cycles du séminaire de dynamique mentale qui durent entre 45 et 50 minutes. Ça prend environ 5 à 6 minutes sur mon graveur. Ça dépendra évidemment de votre équipement. Voilà, donc je n'ai plus qu'à demander à iTunes d'éjecter le CD. Voilà, je récupère le CD et ensuite je peux soit simplement avec un stylo adapté écrire dessus de quoi il s'agit, soit, si je le désire, imprimer une couverture pour ce CD et la coller ensuite. Voilà comment faire pour transformer les CD virtuels du Club Positif en CD audio. Bien évidemment, vous pouvez faire autant de CD audio que vous voulez et utiliser ces CD audio pour les offrir à vos amis et à votre famille. Offrir les contes de Noël à un enfant ou à plusieurs personnes. Merci, au revoir.